c'est comment c'est, bon, tu fais ça bien, hein, ça va. L'amphitryon. Il parlait de ça, l'amphitryon. Regarde. Il y a des numéros. Vous me demandez où je vous ai donné l'autre. Je ne l'ai pas, moi. Allez, vas-y, le 1. Le 1. Le 1, mais tire, tu verras pas flou. T'es flou, non? C'est pas possible. Mais filme. 3, 4. Il faut filmer les préparatifs. Un peu. Il faut arriver à se relire. Dans l'avion, l'avion bougeait beaucoup. Ouais, si tu peux venir par là. Attends, t'en as un. Là. Et après, tu passes 4. Voilà. Gilles, c'est le 2. Voilà. Allons-y, d'abord. Ça n'a pas été croyant. Pas évident. C'est comme ça maintenant. C'est vraiment la peau. Le zizi, le lait, le beau. Je dure le mou. Si les femmes sont dégoûtées, nous deviendrons pédés. Et si dans la vie on est tous frais, erreur, on finit par échanger nos paix, erreur. Tout, vous serez tous les idiots, vous serez le bon et la 75 ans. Oh. Et on ne sait pas comment l'a mis debout. Il y a bien sûr le zizi Lionel, ok, ok. Qui les mène tout au septième ciel, ok, ok. Maintenant qu'il a 25 ans, il pense à faire des enfants. Plus tard, plus tard. Qui plus tard auront compris que l'amitié n'a pas de prix. Mais ce soir, c'est un vrai zizi gastronomie, Ike. Qui fait travailler notre gastrie et que tout, vous serez tous sur le zizi. Ton cher papa, sa multinationale se nomme Charles Atman. Mais toi, le futuriste, tu vas changer tout ça. Ta nouvelle société s'appellera Lionel Batman. Bien de Lionel. Sont revenus pleins aux as d'une visite clientèle. Deux seulement à Paris. Ils sont là parmi nous. Et pour me faire plaisir, l'un m'a dit, je t'avoue, notre secret de famille, pour que les clients douillent, pas avoir froid. Pas avoir froid aux yeux. Et une bonne paire de couilles. Père, si vous voulez, ce roi du bigophone. Ce multimilliardaire retiré en Sologne, ce grand homme qui a compris que c'est grâce à la com qu'il vient bientôt racheter notre France Télécom. Alors, on voit que t'as de quoi faire patienter. Hein. Je peux encore enlever, j'en ai encore en dessous. Les 3-4 on chante, allez Sophie, ils attendent Sophie. Sophie, pardonne-nous, mais on a une chanson qui s'appelle Sophie, qui est très dure, très salée. Et tout à fait. Ah, ça tombe bien, j'ai trouvé un remplaçant. Voilà. Marc-Antoine. Marc-Antoine. Voilà. C'est comment votre petit nom, monsieur? C'est bien ça. Oui.